Nous avons vu hier dans Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 3, que il y a dans le monde les hommes pervers, les hommes incrédules, méchants. Nous avons vu dans Romains 15, du verset 30 au verset 33, qu'il y a des incrédules. Et l'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui, qu'on demande à Dieu de le délivrer des incrédules de la Judée. Nous avons vu dans le psaume 2 qu'il y a des hommes méchants, pervers, incrédules, arrogants, rebelles, qui s'opposent au règne de Christ et qui s'oppose au bonheur des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit exhorte par le psalmiste disant: brisons leurs liens, brisons leurs chaînes et libérons-nous de leurs liens. Il ne faut pas être passif. Ne dis pas: je suis un enfant de Dieu, Jésus est mort à la croix, tous les démons sont déjà jugés. Le diable travaille. Il a dit à Dieu qu'il vient de parcourir la terre. Quand le Seigneur a commencé à me révéler les choses sur la délivrance, il a d'abord corrigé les doctrines qui me bloquaient. Il me dit: j'ai dit que la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux. Et que quand le séjour des morts et la mort rendront les morts qui sont en eux, ces morts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu Jésus, seront jetés dans le lac de feu. Il m'a dit: mais vous enseignez aux gens que dès que quelqu'un meurt, il va dans le lac de feu. Maintenant, comment pouvez-vous expliquer le fait que il y a des esprits humains qui hantent, les esprits des morts qui hantent les hommes, qui possèdent les hommes? Vous avez dit que les démons sont dans le lac de feu. Pourquoi les chassez-vous encore chaque jour dans les églises? Il me dit: les enfants de Dieu, quand ils meurent, ils vont au paradis, ils se reposent. Les pécheurs incrédules, quand ils meurent, ils vont au séjour des morts. On peut les appeler, on peut communiquer avec eux. Et il me dit: c'est pour cette raison que j'ai interdit qu'on invoque les esprits de mort. Et il y a même dans la Bible l'esprit de Samuel qui avait été appelé. Et il est monté. Alléluia. Alléluia. Donc il faut connaître le monde spirituel. Et il faut connaître le combat spirituel. Que personne ne te trompe. Le diable peut entrer. Il y a des gens qui pensent que quand il y a la sanctification, le diable ne vient pas. C'est même là qu'il cherche à travailler. Le diable ne cherche pas les ivrognes qui tombent dans les rigoles là. Il cherche les vrais enfants de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse. Il dit qu'il est parti faire la guerre à ceux qui portent, qui gardent le témoignage de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu aimes Jésus, sois en paix, parce que la main de Jésus est sur toi. Et ton adversaire, ce ne sont pas les petits démons, c'est le diable lui-même. Et c'est pour cette raison que Jésus lui-même descend aussi. Alléluia. Lis-nous le psaume 18. Psaume 18, à partir du verset 1. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David,
qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent. Il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait les ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De sa splendeur qui précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut-Fit retentit sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Le fondement du monde fut découvert. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Qu'est-ce que le verset 1 dit? Lis encore. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alléluia. Saül était un esprit ou bien un être humain? Vous voyez jusqu'à quel niveau le Seigneur combat pour son peuple. Et le Seigneur va faire la même chose pour toi ce soir. Et il dit... Il l'a délivré de son adversaire puissant. Il dit qu'il était plus puissant que moi. Il y a des adversaires que toi-même tu peux écraser. Mais ce soir, Dieu doit descendre. Il doit venir combattre pour toi. Tu es assis là où tu es là, ou bien tu es debout. Et il va travailler. Alléluia. Ce jour-là, Dieu est descendu lui-même. La Bible dit que la terre fut ébranlée dans les fondements. Quand il ouvre la bouche comme ça, le feu, la fumée. Alléluia. Mais tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Avec l'oreille ici, n'entends pas les choses spirituelles. J'ai expérimenté ça un jour. Quand le Seigneur m'avait ravi, le corps-ci n'entend rien. C'est l'esprit qui a entendu la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Seigneur, l'Éternel l'a délivré de ses ennemis et l'a délivré de Saül. Il y a ton Saül. Dieu va le juger.
Il a crié à l'Éternel. Le Seigneur a exaucé. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Moïse est né, Pharaon a décidé de tuer les enfants. Le diable savait que le guide d'Israël, le guide de la nation d'Israël est né, ou bien va naître. Il a commencé à travailler pour empêcher, mais il était vaincu. Dieu a sauvé Moïse des eaux. Et Moïse a fait le travail de Dieu. Alléluia. Quand Jésus est né, prends-nous Matthieu. Vous allez voir comment le diable se débrouille. Matthieu chapitre 2. Lis à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. C'est le travail du diable. Il n'a pas changé. C'est le même langage. Tuons-le. Tuons-le. C'est pour cette raison que vous entendez David proclamer: je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Parce que quand tu connais le travail du diable, tu proclames le contraire. Anne, est-ce que la sœur Anne est là? Viens nous dire comment tu avais combattu. Certains auront, parce que les témoignages ouvrent l'intelligence. Le ministère de délivrance nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et nous sommes toujours à l'école. Et chaque jour est une occasion pour nous de nous enrichir. Alléluia. Prends le micro. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Anne Joséphine Kwaye. Le pasteur me faisait des disciples. J'adore à l'assemblée chez les Yotos à la Riviera 2. Bien-aimé, Dieu nous bénit. Quand nous venons dans ce monde, nous venons avec de grandes richesses et de grandes bénédictions. Mais le travail du diable, c'est de nous empêcher de rentrer dans notre héritage. Et c'était moi mon cas. Frère, je suis allée à l'école à l'âge de 7 ans. Et du CP1 jusqu'en terminale, je n'ai pas repris de classe. Cependant, lorsque j'ai eu mon bac, en 93,
C'est jusqu'en 2013 que j'ai eu le travail. Soit 20 ans. Pour un élève, une élève brillante à l'école, je me retrouve avec beaucoup de difficultés à l'université. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 1995. Frère, je fréquentais une église, mais tout était difficile pour moi. Quand je suis arrivée à l'université, la première année, j'ai repris ma première année. La seconde année, je n'avais plus personne pour me scolariser, payer mes cours. Et il fallait que je fasse le commerce. Donc, je me promenais de bureau en bureau pour vendre. Je logeais à la cité 2 d'Abobo. Je prenais mes marchandises au terminus 27 à Niangon. Et je vendais au plateau. Je prenais quelques-unes de mes marchandises à Diamé. En ce temps, le forum n'était pas encore construit. Et je prenais mes marchandises, je prenais le coup à Cocody. Donc, par jour, je peux dire que je faisais pratiquement le tour d'Abidjan. Et tout était difficile. Quand bien même j'étais à l'église, je priais. Et un jour, une de nos sœurs qui était dans la même communauté que moi avait quitté la communauté et est venue à la CMCI. Après, elle est partie me voir pour me dire qu'il y a de grandes délivrances qui se déroulent, qui se passent dans son église. Et j'ai cherché à voir le pasteur et c'est ainsi que je suis arrivée à la CMCI. Je me suis repentie de mes péchés, j'ai fait mon baptême et on a fait mon brisement des liens. Après le brisement des liens, bien-aimé, une nuit je dormais et dans un songe, je vois, on avait tué un gros serpent. Et quand je suis venue en Christ, au départ, c'est les petits serpents que je voyais, plein de petits serpents. Et je criais Jésus, Jésus, j'ai été délivrée de ces serpents. Mais le plus gros, il fallait la délivrance, le brisement des liens. Et quand on a fini mon brisement des liens, j'ai tué ce gros serpent. Quelques temps après, je rêve. Je vois une de mes sœurs qui est décédée. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à faire le brisement des liens. J'ai dit, il n'y a pas de pas entre toi et moi. Je ne me sépare de toi, esprit, âme et corps. Elle dit, je tiens tes bénédictions, ça y est avec moi dans le tombeau. J'ai dit, au nom de Jésus, je les arrache. Elle dit, je tiens ton mariage. J'ai dit, au nom de Jésus, j'arrache. Et c'est ainsi qu'à quelques temps après, je me suis mariée. Acclamons pour Jésus-Christ. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Au niveau financier, c'était difficile. Et le combat, je poursuivais et on priait toujours. Et frère, par la grâce de Dieu, je suis arrivée et j'étais en cinquième année. Je faisais le 2A, diplôme d'études appliquées au niveau de l'université. Mais frère, tout était bloqué. Mes encadrants ne voulaient pas me sentir. Et c'était compliqué. Et un jour, je suis venue, je voulais voir le pasteur. Mais malheureusement, il était en voyage. Donc, je me suis dirigée vers maman Colette, qui m'a reçue. Et elle a demandé qu'on refasse mon brisement des liens. Quand le brisement des liens, la délivrance a été faite, frère, 2 semaines après, on m'appelle, viens soutenir. En temps, j'avais eu 5 thèmes. Acclamons pour Jésus-Christ. J'avais eu 5 thèmes. Chaque fois que je traitais, on me dit non, ce problème, je suis géographe. Chaque fois qu'on me donne le thème, je fais, on dit non, ce n'est pas un thème géographique. Oh, ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons le sujet, mais c'est les encadreurs, les professeurs qui nous donnent. Quand je le fais, on dit non, ce n'est pas bon. Je refais jusqu'à 5. J'ai des copies même de 80 pages, je rédige, j'imprime, je vais déposer, on dit c'est pas bon, je dis c'est pas grave, donnez-moi ce qui est bien. J'ai fini de faire, on dit c'est pas bon, donnez-moi, jusqu'à ce qu'on finisse la délivrance. Après la délivrance, ce qui n'est pas bon a été accepté. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, pendant cette période, on avait fait un jeûne de 30 jours et on renversait les idoles. Et pendant cette période, je partais dans un magasin, je suis rentrée dans un magasin, une grande surface comme Sokossé. Et quand j'y suis arrivée,
Je regarde, je ne vois qu'un seul article. Je ne vois que les kimagis blancs, kimagis jaunes. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Si tel est le cas, je vais retourner. Quand je me suis retournée, la porte était hermétiquement fermée. Et il n'y avait même pas de porte, parce que ça avait été remblayé par des briques. Il y avait une ouverture, mais l'ouverture était renfermée, remblayée par les briques. Et je me suis mise à prier. J'ai prié, il y a eu une première ouverture. Après, j'ai dit non. Pour ce genre d'édifice, comme par exemple le temple, il faut de larges ouvertures. En cas de cas, les populations peuvent facilement sortir pour ne pas, en cas de bousculade. J'ai dit non, pour ce genre d'édifice, il faut encore une deuxième ouverture. Et je me suis mise là, j'ai prié, prié, prié. Et je suis sortie. Bien aimé, c'était une prison, j'étais emprisonnée. Alléluia. C'est pour vous dire que la délivrance, elle est progressive. Et la mienne aussi a été progressive. Et les choses étaient encore compliquées. Et j'ai prié toujours. Et quand j'ai commencé la thèse, je me suis inscrite. L'inscription, même mon directeur, le directeur de l'institut, de notre institut, a refusé d'apposer sa signature sur mon dossier. Mais par la prière, par la grâce de Dieu, j'ai été autorisée à m'inscrire en thèse. Après l'inscription, il y avait le déversement des déchets toxiques. J'ai été intoxiquée. J'ai passé 7 mois de maladie, pendant lesquels je ne pouvais ni écrire, parce que j'avais terriblement mal à la tête. Je disais, donc toutes ces années d'études ne serviront à rien. Parce que même si quelqu'un m'appelait pour faire et pour être à son secrétariat, je ne peux lire. J'avais mal à la tête. Ça, c'était le plan du diable. Et un jour, pour la guérison, un jour, dans un rêve, j'ai vu, on m'a enlevé du pied. C'est le pied droit. Un objet qui avait le signe, qui s'apparentait au signe des Maïkari. Une croix du pied. Et c'est après ça que j'ai obtenu la guérison. Ça, c'est pour m'empêcher de faire la thèse. Acclamons pour Jésus-Christ. Mais j'ai fini la thèse. J'ai déposé pour l'instruction. Après, je travaille avec l'encadreur. Il faut déposer le document pour que d'autres encadreurs, d'autres professeurs le lisent. J'ai déposé mon document. Normalement, ça fait 45 jours. Mais le mien avait fait 8 mois avant la crise post-électorale de 2011. Et pendant cette période, j'ai eu une accident de circulation qui a failli m'ôter la vie. Alléluia. Mais Dieu était là. Alléluia. Et je ne suis pas morte. Je suis vivante. Et après, acclamons pour Jésus-Christ. Frère, il y a un dessein de Dieu pour nous, mais le diable ne veut pas. Pour moi, Dieu a permis que cela s'accomplisse. Et bien aimé, frère, pendant la période d'attente, je vous ai signifié que j'avais fait un accident et j'étais malade. Pendant cette période, je voyais ma misère, je suppliais Dieu pour avoir le travail. Je jeûnais jusqu'à 15 heures. Et c'est pendant cette période que la grâce de Dieu m'a été faite et Dieu nous enseignait sur le renversement, nous a donné l'enseignement sur le renversement des principautés personnelles et familiales. Dès que j'ai entendu l'enseignement, pendant cette période-là, le pasteur faisait des enseignements tournants dans les différentes zones. Et pour la zone de la Riviera où je suis, c'était les mardis. Et dès que j'ai entendu l'enseignement, le mercredi matin, j'ai pris l'engagement. J'ai dit, au lieu de jeûner jusqu'à 15 heures, je vais aller jusqu'à 18 heures maintenant. Et les premiers enseignements sur le renversement des principautés nous disaient que Daniel avait jeûné jusqu'à 21 jours. Donc il fallait faire 21 jours. J'ai pris cet engagement, cette résolution de jeûner, de faire les 21 jours. Et bien aimé, comme la Bible dit, le premier jour où j'ai eu à cœur d'obéir à Dieu, Dieu m'a exaucé. Acclamons pour Jésus-Christ. J'ai commencé le jeûne le mercredi. Donc dans la nuit du mercredi à jeudi, je faisais un rêve. Dans le rêve, je me suis retrouvée dans la cour familiale.
Et dans cette cour, nous étions, c'était une cour de pauvreté parce que le sol était tout noir. Et je regarde au fond de la maison, je vois mon tombeau. Quand j'ai vu le tombeau. Tu as vu quoi? Mon tombeau. C'était les vieux tombeaux. Actuellement, on ne peut pas distinguer les vieux tombeaux des nouveaux. Avant, on ne faisait pas les dalles, on ne faisait pas les carreaux. Dans les vieux tombeaux, là, il y a des fissures. Donc, quand j'ai vu le mien, il y avait des fissures qui laissaient échapper des odeurs nauséabondes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, vous m'avez enterré ici. Et le jour où je vais mourir, où allez-vous m'enterrer? Et je suis sortie de cette maison de pauvreté. En sortant, j'ai craché. Mais c'était comme une vomissure. C'était tellement beaucoup. La salive était très abondante. Et je suis sortie, je suis allée m'asseoir devant la maison. J'étais assise et je vois dans le ciel une petite lumière. J'entends une voix qui dit, la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter le corps. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclame. Eh bien, mes frères, quand j'ai eu le bac, j'ai passé assez de concours. ENA, j'ai fait 4 fois. ENA, j'ai fait le CAFOP. J'ai fait éducateur permanent, éducateur spécialisé et plein d'autres concours que j'ai oubliés. Alléluia. Mais pour la première fois, cette année-là, c'est-à-dire en 2012, j'ai déposé mon dossier pour le recrutement des enseignants contractuels et j'ai été retenu. Acclamons pour Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, la même année, j'ai soutenu mon doctorat en géographie avec la mention très honorable. Acclamons pour Jésus-Christ. Et j'ai encore supplié Dieu. Et tout ça se faisait dans le jeûne. Avant la soutenance, il y avait un jeûne pour le renversement des principautés, 40 jours. J'ai fait les 40 jours. Et pendant ces jours-là, je disais à Dieu, « Oh Dieu, force la main du Pharaon qui m'empêche d'aller et de quitter l'Égypte pour Canaan. Oh Dieu, force la main. » Et frère, ceux qui étaient à ma soutenance ont vu que Dieu avait vraiment forcé la main du Pharaon pour me laisser soutenir. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alléluia. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, en 2013, j'ai été recruté comme enseignant-chercheur à l'université Péléforo, Gonkoulibaly de Korogo. Jésus-Christ. Pendant la période des galères, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, tu m'envoyais sur la terre, c'était pour faire quoi? C'est pour faire quoi au juste? Parce que je souffre un peu trop. J'avais la misère, la détresse, le rejet, les larmes. Je n'avais plus aucune envie de vivre. Et j'ai interrogé Dieu. Dieu m'a dit que je devais être enseignante. Alléluia! Et frère, enseignante, j'ai dit Dieu, il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a le supérieur. Et Dieu a permis que je sois au supérieur. Donc les desseins de Dieu se sont accomplis. Le diable ne voulait pas que j'arrive à ce niveau. Frère, j'avais oublié un aspect. Quand j'ai eu le bac, la première année, une nuit je dormais, j'ai vu un squelette humain qui est venu me saluer. Et son objectif, c'était de me paralyser la main droite. J'ai senti, et quand il est venu, j'ai dit au nom de Jésus, alléluia. Et aujourd'hui, j'écris avec la main droite. Et j'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et bien aimé, mon second témoignage, pour montrer combien de fois Dieu nous bénit, mais le diable nous empêche de rentrer dans nos bénédictions. Et il faut être persévérant. Je suis venue à la CMCI en 2002. Mais bien aimé, c'est en 2013 que j'ai travaillé. Alléluia. C'est pour dire que la bénédiction n'est pas automatique. Il y a des gens qui peuvent venir attendre 1 an, 2 ans. Quand ils ne voient pas, ils ne voient pas les résultats, ils peuvent fuir pour aller dans une autre communauté, faire 2 ans encore, 3 ans. Frère, sois persévérant. Demain dans la grâce de Dieu. Et Dieu va te bénir en son temps.
Alléluia. Autant aux portes. Bien-aimé, je me suis mariée en 2007. Mais par la grâce de Dieu, c'est en 2017 que j'ai eu un enfant. Soit 10 ans après. Jésus-Christ. Frère, nous nous sommes mariés. On a eu une première grossesse, elle est passée. Une seconde grossesse, elle est passée. Et je me suis retirée dans la présence de Dieu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, quelle est la cause de mon problème, de ces fausses couches? Parce qu'à chaque fois, je me culpabilisais. Je me disais que c'est parce que je ne me repose pas à temps, j'ai mangé ceci, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et c'était une culpabilité à mon niveau. Mais lorsque je suis entrée dans la grâce, dans la présence de Dieu, Dieu m'a révélé que le problème était spirituel. Mais je n'ai pas poussé à bout la réflexion. Alléluia. Je ne suis pas allée loin avec Dieu. Mais pendant l'année dernière, j'étais avec mon grand frère et il m'a révélé que mon père avait adoré le palmier. Pour ceux qui sont à Caen, on appelle généralement, quand le palmier est très long, on l'appelle bétain. Ça, c'est en Agni. Alléluia. Et c'est ce que mon père a adoré. Et dès qu'il m'a montré le secret, il m'a révélé ce secret-là, je me suis mise à renverser les principautés. C'est-à-dire à demander, à supplier Dieu, à demander pardon pour cette adoration. Parce que nous avons adoré la créature au lieu d'adorer le créateur. Amen. Et j'ai supplié Dieu, j'ai supplié Dieu. Quelque temps après, je rêve, je me suis retrouvée sur l'eau. C'était un groupe d'hommes qui était sur l'eau et on était dominé par un homme fort. Il n'était pas grand de taille, il était mince, mais il avait une puissance sur tous ceux qui étaient là. Je me rappelle, il y a un monsieur qui avait eu assez d'argent et le monsieur s'est éloigné à une très longue distance. Mais en un rien d'état, l'homme fort est parti le rattraper. Il dit, toi là, passe ici. Et en si peu de temps, il allait le rattraper pour le ramener dans le groupe. Moi, j'étais là et je suis sortie. Il m'a vu partir, il n'a rien dit. Je me suis réveillée. Et j'appelais papa, je lui ai expliqué le rêve. Il dit, Dieu est en train de te délivrer. Alléluia. Et j'ai fait un autre songe. Dans ce songe, on donnait des enfants aux femmes. J'ai vu deux petits garçons. On donnait aux femmes. Elle dit, non, je ne l'avais pas. Non, non, elle n'en voulait pas. J'ai dit, ok, si elle ne l'avait pas, donnez-les-moi. Et au moment où je partais prendre les enfants, voici un animal qui bondit sur moi. Et je me suis retrouvée en dessous de l'animal. Je n'ai pas vu la face de l'animal, mais il s'apparentait à un ours ou bien un lion. C'est-à-dire, c'est un animal à quatre pattes. Et dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à proclamer, j'ai pris Jacques 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ainsi te parle l'Éternel Dieu des arts. Tu es aplani. Dans la Bible, on a dit tu seras aplani. Mais moi, j'ai appliqué cela à mon cas. J'ai dit, qui es-tu, grande montagne? Toi qui ne veux pas que j'enfante, ainsi te parle l'Éternel Dieu des armées, tu es aplani. Qui es-tu, grande montagne? Toi qui ne veux pas que j'enfante, ainsi te parle l'Éternel Dieu des armées, tu es aplani. Bien-aimé, le même mois, quand j'ai fait le test, il était positif. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc on faisait le jeûne du renversement des principautés de l'année dernière. J'étais en début, je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc j'avais commencé le jeûne et bien aimé par la grâce de Dieu, j'ai pu finir les 40 jours malgré la grossesse. Et quand on a commencé le renversement des principautés, c'était le 1er août 2016, l'année dernière. Et j'attendais les menstrues normalement le 5. Et le 5, les menstrues étaient arrivées. J'ai rendu grâce à Dieu. Alléluia. Et je me suis couchée. La nuit, j'ai fait un rêve. Papa voyageait, le pasteur voyageait. Je me suis retrouvée à côté de sa voiture. Et il me dit, Année, toi, tu n'as pas de problème d'enfantement. Alléluia. Matin, quand je me suis réveillée, tout était sec. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc, bien aimé,
par la grâce de Dieu, depuis le 27 mars 2017, je suis mère d'un mignon garçon que voici. Acclamons pour Jésus-Christ. Il s'appelle Moye Moye Daniel. Moye, ça veut dire bénédiction, bonheur. Alléluia. Et je suis infiniment reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Si je n'avais pas Jésus, frère, je n'allais rien devenir. Parce que l'ennemi a tout fait pour ne pas que je sois bénie, que je rentre en possession de mon héritage. Oh, Dieu m'a béni. Dieu a béni chacun de nous quand nous venons sur la terre. Mais c'est le diable qui bloque toutes choses. Donc je dis vraiment merci à Dieu. Et merci aux frères, parce que frères, c'est grâce à vos intercessions, grâce à tout ce que à vos jeûnes et prières, qu'aujourd'hui, je suis mère, je tiens un enfant dans mes bras. Et je dis merci au cours pastoral et à chacun de vous pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pendant la grossesse, j'ai été cerclée, j'ai vu l'amour des frères, et à la naissance aussi, vous nous avez comblés de beaucoup de cadeaux, et nous vous disons, mon bébé et moi, mon mari également, nous vous disons merci. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a plusieurs adversités. Ça donne l'impression qu'on tourne sur place. Tu peux avoir un ennemi qui ne veut pas que tu sortes de la maison. Tu le frappes, il tombe, tu sors. Après, tu rencontres un autre qui ne veut pas que tu entres dans ta voiture. Tu le frappes, il tombe, tu montes dans la voiture. Certains frères pensent que c'est le même combat. Toujours, moi, je suis toujours dans le combat. Ce n'est pas le même combat. C'est que à chaque étape, les enfants d'Israël avaient des stations. À chaque étape, il faut frapper l'ennemi qui gouverne ce territoire-là. Quand, dans le monde spirituel, quand tu frappes, tu progresses. Tu as l'autorité sur celui qui est tombé. Tant que tu n'as pas frappé, tu restes sous son autorité. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il faut aller de victoire en victoire. Il ne faut pas être passif. Quand tu es passif, tu vas remarquer que tu te plains. Tu ne pries pas, tu te plains. Tu murmures. Tu es découragé. Tu rétrogrades. Ça, ce sont des attitudes négatives, d'un esprit passif. Un enfant de Dieu est un combattant. Alléluia. Il est toujours prêt à frapper l'ennemi. C'est pour cette raison qu'on parle de prières persévérantes. Alléluia. Donc, Quand tu es dans le péché, tu es dans une prison que toi-même tu as créée. Une chose que le Seigneur m'a révélée aujourd'hui même, c'est que les esprits ont des milieux, c'est-à-dire ont leur lieu d'existence. Et ton esprit sera toujours dans le territoire de l'esprit qui domine sur toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu as un problème avec la colère, ton esprit va errer dans le territoire du prince de la colère. Tu ne peux pas sortir de là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et vous verrez qu'après la vraie repentance, l'esprit se libère.
et entre dans la lumière. Il y a des guérisons qui sont authentiques après la vraie repentance. Parce que ton esprit sort de l'obscurité et entre dans la lumière. Si tu as un problème avec l'immoralité, ton esprit va errer dans le monde spirituel immoral. Si tu règles tes pensées, ton esprit sort. Donc il y a des prisons qui dépendent de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui entre dans ces prisons-là. Et une vraie conversion ramène ton esprit dans la gloire et dans la liberté. C'est cette prière-là qu'on a, je pense que c'était avant-hier, on a prié que tout ce qui avait des habitudes ou des péchés qui ont triomphé d'eux doivent tout faire pour sortir de là. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le diable vient seulement profiter. Alléluia. Les choses comme la jalousie, le manque de pardon, la gloutonnerie, il faut régler ça. La convoitise sexuelle, il faut régler ça. La masturbation. Alléluia. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça doit être la devise de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Vous avez donc vu le combat qu'elle a mené, ces étapes. Ce n'est même pas que c'est progressif. C'est que le combat spirituel est une réalité et les ennemis sont réels. David dit, Dieu l'a délivré de tous ses ennemis et de Saül. Saül était le dernier qui a été écrasé. C'est après ça que David a commencé même à régner. Alléluia. Si tu avais peut-être 5 ennemis et tu as remporté la victoire sur 2, après 2 là, ils sont heureux, ils se couchent et ils s'endorment. Il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. David a battu les Philistins, il les mesurait avec les cordes. Alléluia. Alléluia. Saül a lutté toute sa vie. Il était en guerre. La Bible dit que quand Saül apercevait un vaillant homme, il l'enrôlait. C'est-à-dire, il le recrutait. Et il était vraiment fort en guerre. Mais il n'avait jamais donné un chaos total à ses ennemis. Il frappe aujourd'hui. Les ennemis s'enfuient. Après 2 semaines, 1 mois, ils reviennent. Finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort entre les mains des méchants. Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui tu as la victoire, demain tu échoues. Ah, aujourd'hui tu as la victoire, demain tu échoues. Aujourd'hui tu veux dire au nom de Jésus en songe, tu ne parviens pas. Un jour tu cries au nom de Jésus, le feu descend. L'ennemi va calculer le jour où tu ne peux pas faire descendre le feu. Et ça va te coûter cher. Mais si tu es comme David, tu frappes. Tu arraches la forteresse. C'est-à-dire que là où l'ennemi se cachait quand il est affaibli, là où il se retirait pour réorganiser la bataille, David a arraché. Acclamons pour David. Lis-nous ce passage-là dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 6 à 10. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, «
tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Amen. Prenons 1 Chronique, chapitre 18, versets 1 à 16. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadarézer, roi de Soba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarézer, roi de Soba, et David battit 22000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tibshat et à Koun, ville d'Hadarézer. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadarézer, roi de Soba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadarézer et de l'avoir battu. Car Tohu était en guerre avec Hadarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Seruja, bâtit dans la vallée du sel 18000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Seruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Alushoud, était archiviste. Sadoc, fils d'Achitoub, et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shapsha était secrétaire. Amen. Alléluia. David bâtit Hadarézer, roi de Tsoba. Et il est dit, David a humilié. Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia. Alléluia. Il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Alléluia. C'est comme ça que nous devons combattre. Ça, c'est contre les hommes. On ne les tue pas, on arrache. Alléluia. Il ne faut pas agir comme des lâches. Laisse-les vivre. Tu arraches. Anne te promène avec son bébé là. Ils regardent. Ils ont appris qu'elle est professeure à l'université. Ça leur fait mal au cœur.
C'est ça le combat spirituel. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia! Le Seigneur dit même de les bénir. Tu les bénis. Tu arraches, tu dis, hey, vis jusqu'à ce que tu te convertisses. Mais ne me suis plus. Alléluia. David frappe et dit, toi, tu vas, je ne veux pas te, t'exterminer, tu vas payer les impôts. Tu dis, oui, mon Seigneur. Je les enverrai se prosterner devant toi et reconnaître que j'étais aimé. C'est comme ça que Dieu travaille. Il a dit, je ne veux pas tuer Pharaon, il faut qu'il vive, qu'il voit ma puissance. Alléluia. Ce jour est un jour de bénédiction. Ne te plains pas, ne murmure pas. Et surtout, sois humble. Ne dis pas, j'ai déjà tout fait. J'ai fait toutes sortes de prières. Non, frère, sois humble. Tu n'as même pas encore prié. Jésus a dit à ses disciples que vous n'avez même pas prié. Demandez-moi les choses. Toi, tu penses que tu as achevé les prières. Ça n'a même pas encore rempli une petite bouteille comme celle-ci. Vous savez qu'au ciel, il y a des coupes là-bas, il y a des prières entrent dedans. Quand elles sont remplies, Dieu les renvoie sur la terre, sur la tête de tes ennemis. Quand c'est vide, quelques gouttes. Juste le temps d'effrayer l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Après, il n'y a plus rien. Quand le Seigneur nous enseigne sur la prière d'opportunité, il avait dit, vous n'avez même pas encore prié. Les petites prières, la Seigneur bénit mon nom, dit amen. Jésus priait, la sueur ruisselait sur son visage comme les grumeaux de sang. Il priait. Les semeurs, commencez la bataille. La bonne vérité, Dieu nous a tant aimé, la donne de son fils pour nous sauver. Salut, 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 salut
je proclame que l'enchantement ne peut rien contre moi. La Bible dit que Balak a envoyé les gens appelés Balaam pour qu'ils viennent maudire Israël. Et il voulait procéder par enchantement. Il voulait ensorceler, il voulait envoûter par des sortilèges. Dis, je proclame que l'enchantement ne peut rien contre moi. Dis, je proclame que la sorcellerie ne peut rien contre moi. Dis, la grâce de Dieu est sur moi. Dis, le sang de Jésus est sur moi. Contemple la victoire de Jésus. Pendant que tu vois tes ennemis, tu les regardes, tu regardes Jésus, tu les pèses avant de les traiter comme ils le méritent. Tu vois qui est plus fort. Dis, la parole de Dieu s'accomplit pour moi. Dis, le Seigneur, l'Éternel n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour moi. Et il le fait pour moi. Ce qu'il a fait pour Annie, pour ma soeur bien-aimée Annie, professeur à l'université de Korogo. Tu dis, oui, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu son bébé. Satan, tu as perdu la bataille. Et tu as perdu la bataille. Tiens-toi debout. Lève ta main droite, dis, au nom de Jésus, je me lève contre toute œuvre humaine érigée contre moi. Toute œuvre humaine, je l'anéantis, je l'écrase, je la brise, je renverse ce qu'il faut renverser, je déracine ce qu'il faut déraciner. Je disperse les rassemblements. Je disperse les rassemblements. Lève ta main droite.
dit au nom de Jésus. Tu identifies le problème, même s'ils sont 10, 20. Dis, je me lève contre, je mets fin à telle situation. Je mets fin à la pauvreté, je mets fin à la misère, je mets fin. Tu cites. Non. Vomis là, on va balayer. Nous, c'est notre salle. Il ne faut pas qu'un ennemi prenne. Au nom de Jésus, je mets fin à la misère. Je mets fin à la stérilité. Je mets fin au célibat. Je disperse les armées derrière ces calamités. Je disperse les armées derrière ces calamités. Les armées sataniques. Les esprits de mort. Et les esprits humains. Je les disperse. Je proclame ma liberté. Vas-y, proclame étape par étape toutes choses. Kuruba la basama, kuruba kara bakshida, kuruba kara kabakashara kabaga, kuruba kashara kabaga na kabaga, kuruba kashara kabaga na kabaga, kuruba kashara kabaga na kabaga, kuruba kashura kabaga, kuruba kashura kabaga, kuruba kashura kabaga, kuruba kashara kabaga, kuruba kashura kabaga, kuruba kashura kabaga, kuruba kashura kabaga, kuruba kashura kabaga. Nous renversons tout. Nous ne laissons rien dénigrer. Nous déracinons tout. Nous libérons les saints. Nous introduisons chacun dans son héritage. Chacun dans sa bénédiction. Chacun dans sa bénédiction. D'une manière durable et définitive. Nous ne laissons rien debout. Nous cassons tout, nous brisons tout. Nous renversons tout, nous renversons tout. Dans le camp de Satan. Dans le camp de Satan. Nous brisons les prisons. Toutes les prisons fabriquées par les hommes méchants et pervers. Tout le fruit de la, des enfoutements. Nous effaçons nos noms. Des annales des sorciers. Nous enlevons nos empreintes. Nous enlevons nos noms. Tous ceux qui ont envoyé des noms dans les sectes, retirez-les maintenant. Retirez-les maintenant. Karabashara bakala kashara galabakashara galabaka. Karabakashara galabaka. Karabakashara galabaka. Dis au nom de Jésus. C'est moi qui avais donné. Je retire au nom de Jésus. Continue à prier. Kalaba kalaba jura goba jira 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 goba. Dis au nom de Jésus, nous nous levons contre l'adoration des eaux. Et tout ce que les gens ont promis à ces divinités sataniques. Nous proclamons que c'est la rébellion. Contre le Dieu très haut. Et nous nous engageons à servir le vrai Dieu. Et nous libérons les captifs du culte des eaux. Avec tous les esprits des eaux. Les serpents et les morts. Nous les dispersons. Nous les enchaînons. Nous libérons les captifs. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la délivrance. Continuez à prier. Karabakarabakarabakurbakarabasharba, bakurbakarabasharba, labakashabaka, orabakajorabakagobaka, 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 orabakajorabakagobaka
Lève ta main droite, nous libérons les emplois, les mariages, les richesses, les bénédictions. Nous libérons. Dieu, au nom de Jésus, nous frappons les maris de nuit. Tous les esprits démoniaques qui entretiennent les relations sexuelles avec les femmes ou les hommes. Vous êtes ruinés. Vous êtes jugés. Que vous soyez parmi les vivants ou parmi les morts. Nous vous chassons. Continuez à prier. Pose les mains sur ta tête. Dis au nom de Jésus, je purifie mon être, esprit à mes corps, de toute la souillure des couches de nuit. Je purifie mon corps, mon âme et mon esprit de toutes les souillures dues aux couches de nuit. Au nom de Jésus-Christ, je lave mon corps, mon âme et mon esprit. Maintenant, les femmes, posez les mains sur vos bas-ventres. Nous allons libérer les enfantements. Dieu, au nom de Jésus, nous libérons les enfantements. Nous guérissons toutes les maladies qui empêchent les grossesses. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que les trompes s'ouvrent d'une manière miraculeuse, sans intervention de la médecine. Les trompes laver. Déboucher. Nous guérissons les ovaires. Que les ovaires soient guéris. Qui est ovulation au nom de Jésus. Quel utérus porte l'enfant jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Que la chose soit de telle sorte que tout le monde dira c'est l'œuvre de Dieu.
C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Continue à proclamer que ce soit de telle sorte que toutes les langues diront que c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Kama shabaka shara gabaga shara gabaga karaba shara gabaga laga shara gabaga laga shara gabaga karaba gabaga shara gabaga shara gabaga shara gabaga pura gabaga shara gabaga gabaga shara gabaga shara gabaga pura gabaga shara gabaga shara gabaga gabaga shara gabaga karaba gabaga shara gabaga shara gabaga gabaga shara gabaga gabaga shara gabaga. Esprit de stérilité, je te chasse au nom de Jésus. Va-t'en. Carabasur, 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 carabasur. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, nous corrigeons les insuffisances organiques. Nous guérissons tous les corps défaillants. Nous sommes maintenant en train de guérir ceux qui sont malades, que ce n'est même pas l'affaire des démons, que c'est le corps même qui est faible. Lève ta main. Dis au nom de Jésus que les entrailles soient fertiles. Oui, prophétise sur les entrailles. Dis entrailles, soyez fertiles. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Au nom de Jésus, je me sépare de tous mes sous-vêtements qu'on a volés. Tous les sous-vêtements que j'ai perdus, je brise le lien malsain établi sur moi par la personne qui les a volés. Continue à prier. Kana bakashaka bakashaka baka katara bakashaka bakashaka baka katara bakashaka bakashaka baka katara bakashaka bakaraka bakashaka baka. Tous les frères posent les mains sur la tête. Dis au nom de Jésus, nous recevons la guérison de tout l'appareil de reproduction. Nous le recevons d'un commun accord comme un seul homme. Comme un seul homme, mais au bénéfice de tous ceux qui souffrent des problèmes de stérilité d'enfantement. Nous recevons comme un paquet devant le Père et nous déversons dans le peuple. Continue à prier. Kalabashara baka goba gajer 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 baka ara baka joro baka goba gajer baka goba gajer baka goba gajer baka ura baka joro baka goba gajer baka gajer baka harjer baka gajer baka ara baka joro baka gajer baka gajer baka gajer baka ara masa baka shire baka labara. Alléluia. Que tous les hommes lèvent la main droite. Que tous ceux qui souffrent de problèmes de puissance soient guéris. Et reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. 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 Ora bakashara bakala gashara bakala gashara bakala. Ora bakashara bakala gashara bakala gashara bakala gashara bakala. Ora bakashara bakala. Que tout le monde lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Nous chassons les tendances homosexuelles. Et nous chassons. Dis au nom de Jésus. Nous chassons les tendances lesbiennes. Nous sanctifions le corps de Christ. Nous libérons les vrais mariages selon la volonté de Dieu. Les vrais mariages selon la loi de Dieu. Continue à prier.
Ora ka jorba 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 ka jorba